Salut tout le monde et bienvenue au Soundcheck Québec. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Jacques Saint-Germain. Salut tout le monde. Salut Jacques, je suis content de t'avoir. Ben merci, moi aussi. C'est toujours un plaisir de te voir. Ah, hein? t'es fin. Jacques, t'es une inspiration pour moi. Ben merci. Pour plusieurs raisons. Non. Premièrement, tu as beaucoup de... comment je dirais bien ça? De charme. La jambe féminine t'aime bien depuis toujours. Deuxièmement, t'es un musicien qui n'a jamais lâché. Jamais. Ça fait combien de temps que tu joues? Je dirais, ça fait 50 ans et plus. Ça fait plus que 50 ans que tu joues de la musique? On a 18 ans à l'heure. Wow. Ouais, 50 ans. Wow, Jacques, ça fait plus longtemps que tu joues de la basse que je vis. Oui. Des fois, je suis fatigué, puis là, je pense à Jacques. Je dis, Jacques, il joue encore. Jacques, okay. Quel âge as-tu? Je m'excuse de souligner ça, mais c'est très inspirant pour tous les musiciens. Ah, j'ai 72 ans. 72 ans. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Jacques souvent me remplace. Je l'appelle in extremis. Jacques, j'ai besoin d'un remplaçant à la basse, parce que Jacques est un bon bassiste depuis toujours. Et puis, il me dit, oui, il n'y a pas de problème, Simon, je vais aller t'aider. Mais ça m'inspire. Tu puises ton énergie où? Est-ce que la musique t'en donne de l'énergie? La musique est mon énergie. À chaque fois que j'ai eu des temps durs, ou encore même là, quand j'ai des petits bas, des petits downs, je vais chercher ma belle Alice qui est ma basse. C'est la basse que j'ai vue en haut? Oui. Wow. Alice qui est ma basse. Puis, le temps de le dire. En prenant Alice, tout revient, puis après ça, on repart. C'est vrai? Il y a une gig, puis elle fait, oh, tiens, regarde, j'ai une gig qui vient de rentrer. Ça fait, ah, oh, tant mieux. Puis, de remplacer, j'adore ça aussi, oui. Parce que ça me tient sur le qui-vive. Oui. Ah, ça me tient, il faut que c'est jamais les mêmes tunes. Donc, non. Et ou les mêmes versions. Et oui, ou exactement. Les mêmes exactement. Tonalités. Oui, ouais. Exact. Wow. Mais on ne peut pas dire que tu n'as pas d'expérience, donc ça doit te servir. oui, ça l'aide beaucoup. Yes. Moi, j'allais te voir, excuse-moi, il faut que je te dise ça me tient trop à cœur, à la Country Tech de Granby. Yes. En 96. Dans ce coin-là. Hey, oui. C'était bon, vous étiez nos idoles, on allait nous voir, vous étiez nos référents. Oui. Là. C'était vraiment bon, votre c'était thème. Du bon country rock. Là, Colt 45, c'est ça? Non, nous autres, on était Red Eye. Red Eye, exactement. Wow. Avec Charrette. Ah oui? Salue les Charrettes, Danny Charrette et André Charrette, tout un guitariste. Ben oui. Ah, c'était beau vos vocales, parce que aussi, Jacques, qui chante aussi, c'est ça qui est très bien. Fait que donc, tu fais des deux instruments depuis toujours? Oui. Ouais? Oui. Mais c'est surtout là-bas. Écoute, je suis capable de maîtriser la guitare. Ouais. Non, mais je parle de chant aussi. Le chant, oui. Depuis toujours, c'est depuis ça? Depuis toujours, oui. Ah, c'est oui. Ça. C'est naturel? Oui, j'adore chanter. J'adore chanter avec les autres. Chanter libre. Aussi, mais j'adore chanter avec les autres parce que j'adore faire une équipe et aller chercher des harmonies. Quand on est peut-être deux, trois, ben j'ai une bonne oreille, je suis chanceux. Je lis la musique, pas fort, mais j'ai une bonne oreille, je suis content. Ouais. Que ça compense et je peux aller chercher avec... La formation que... Ben, l'oreille, souvent, sur le chant, c'est plus payant que la lecture. Oui. On pourrait en discuter, là. Mais tout ça pour dire que Big Daddy, quelqu'un avec qui je joue ici des fois aussi, toi aussi, tu joues, il aime beaucoup comment tu l'accompagnes au chant. Oui. Il a toujours apprécié ça, mais il l'a toujours dit. Il aime ça. Ici, on est au racing, c'est ça? Yes! Qu'est-ce qu'on fait ici? T'as un contrat ce soir? Oui. Pourquoi je monte ces percussions-là? C'est quoi l'anecdote? Il y a une anecdote avec ces percussions-là? Oui, hein? Est-ce que Normand Bratois vient jouer avec vous des fois? Oui. Ah, c'est le fun, il vient tout le temps. Lui aussi, il aime la musique pour vrai. Hein? Il aime vraiment la musique. Viens jouer avec nous gratuitement pour le plaisir. Oui. Puis il aime ça pour vrai. Là. Vrai. Ouais. Oui. Puis c'est un être super gentil. Hein, réservé, exact, gentil, exact. Poli. Oui. C'est vrai. Oui. Donc, il a souvent ses percussions ici, dans le sous-sol du Racing Bar à Granby. Il faut toujours être prêt. Des fois, il dit, Normand, veux-tu qu'on aille chercher tes percussions en bas? Il dit, peut-être au deuxième set. Ah, il est fin, en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire? Ma question ultime de Soundcheck Québec, c'est Jacques. Oui. Qu'est-ce que la musique pour toi? Moi, la musique, pour moi, c'est ma vie,
c'est ce qui fait que je suis encore là. Et comme je te disais tantôt, à chaque fois que j'ai eu des temps durs, la musique a toujours été là pour me sortir des impasses financières, amoureuses, etc. La musique est tout pour moi. Ça t'a aidé dans tes émotions d'humain? Et là, oui, beaucoup. Exactement. Wow! Beaucoup. C'est un beau partage. Je suis content d'avoir parlé. Ben, c'est important. Merci. C'est important. Il y a Bob Turmel aussi pour ceux qui le connaissent, que j'aimerais parler. J'ai fait un soundcheck Québec avec Yvan Messier, imagine-toi. Oui, ça, c'est... Wow! Tout des bons musiciens. On est gâtés ici à Granby. C'est vrai? D'avoir tous ces bons musiciens. C'est vrai? On est gâtés. J'arrive de jouer avec... une petite ville. C'est vrai. Mais Normand Bratois, il disait que... C'est quoi qu'il disait? C'est quoi sa phrase? En tout cas, Granby, c'était la ville qui avait le plus de musiciens au prorata. Sûrement. Il y avait une phrase plus funnée, pour le dire, là, mais c'est ça qu'il disait. Au prochain interview. Prochaine interview avec Normand Bratois dans le sous-sol du Racing. Hey, yes. Merci, Jacques. Ah, fait plaisir. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Salut.